Bonjour, je m'appelle Liliane et je suis votre thérapeute musicale. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment homogénéiser tout notre diapason pour que ça sonne bien dans toute sa grandeur et d'ailleurs quand il va s'agrandir pour que toutes les notes soient de la même couleur unique de votre voix personnalisée avec laquelle vous êtes né. Alors, il y a deux exercices super importants. Ils sont un peu, comment dire, grands, au niveau qu'on prend directement une octave. C'est pas très bien commencer directement l'échauffement vocal avec des exercices aussi grands. Donc je vais vous donner d'abord un petit, juste pour chauffer un petit peu. Et puis on va travailler vraiment le thème précis d'aujourd'hui. Et on va commencer bien évidemment par notre respiration en bas du ventre. On y va. C'est comme un relâchement. Si vous voulez une explication de la respiration en bas du ventre, respiration abdominale, seule respiration possible pour le chant, un peu plus précis, un peu plus détaillé, revenez en bas à la toute première vidéo. Là, je vous explique vraiment tout en détail. Et en général, les premières vidéos, je fais quand même attention à ça. Maintenant, j'espère que hein, vous regardez depuis un petit moment déjà mes vidéos, vous savez très bien comment il faut faire. Et on va ajouter une petite. Consonne, oui, une lettre S. Actif et précis, c'est pas. Vous voyez? Pour réveiller notre machine, hein, qui va pomper l'air. Alors, ici, on va respirer au niveau de nos côtes flottantes. C'est parti. Fini le ventre, maintenant c'est là. Et voilà, on va commencer à chanter. Première, tout simple, d'accord? C'est juste pour chauffer la voix. Ben, vous savez quoi? La bouche fermée, c'est toujours bien. C'est pas vous entendez la différence? Écoutez bien. Même mon visage se change. Alors, trois voyelles, quatre, parce que la quatrième elle est toute petite.
Donc, trois bien chantés. Quatrième, c'est juste pour terminer la phrase. Donc, on va commencer. C'est tout simplement ça. Mais, qu'est-ce qui arrive? Il faut bien glisser entre deux voix. Donc, au début, on commence vraiment avec la voix de poitrine. Ah, cette voix-là, c'est pas ah, ça va pas sonner. En bas, la voix de poitrine et on monte dans la voix de tête pour bien habituer notre larynx, notre code vocal de travailler dans toutes les tessitures. Donc, ah, terminé sur i. C'est plus simple, je voulais ajouter un ou à la fin, mais c'est pas grave. Donc A et I, et on termine sur I. 3, 4. Super, vous avez senti que ça demande beaucoup d'efforts. Une octave, quand on joue au piano, on se dit oh, ça va, c'est une main. Mais avec la voix, on dirait qu'on a parcouru, je ne sais pas, 2 km. Et chaque fois, il faut économiser l'air pour arriver jusqu'au bout, d'accord? Le soutien qui travaille, l'homogénéisation de la voix, drôle de mot quand même. Et en plus, faire résonner et les résonateurs de la poitrine et les résonateurs de la tête en même temps, tout en ayant l'air continu, constant et de qualité. Souvent, une des deux parties qui souffre, ou c'est la voix de poitrine qui ne sonne pas, ou c'est la voix de tête. C'est pour ça que je donne cet exercice-là. Observez si, avec vos oreilles, c'est pour ça que je monte sur les oreilles. Par exemple, quand vous chantez, oh, c'est vraiment en bas. D'accord? Faites le geste comme ça pour vous aider. Oh, il faut revenir dans la voix de poitrine. Souvent, on passe dans la voix de tête et on reste là. Oh, ça devient ça. Ça, c'est pas possible. C'est trop flou. On n'entend pas les notes graves. D'accord? On a besoin vraiment toute votre force. S'il vous plaît, contrôlez ça. Deuxième exercice, un petit peu plus dur quand même. Donc sur non. Chanter une fois pour vous montrer. Ça
c'est assez grave, mais après, ça sera plus facile pour vous. Donc. Parce que autrement je ne saurais pas les atteindre, autrement je n'ai pas accès vers mes sinus si je ne fais pas le visage inspiré, on va l'appeler comme ça. Voilà, aujourd'hui c'est intense, d'accord? Donc faites revoir ce cours de temps en temps, ça va vous aider d'étirer vraiment votre tessiture et il sera plus en plus uni entre les voix, si vous voulez, entre la voix de poitrine et la voix de tête. Bien évidemment, les hommes, vous restez dans la voix de poitrine. Donc, il faut vraiment vous aider avec le ventre quand vous montez dans la note aiguë. Vous faites ça, d'accord? Ok, voilà, petit indice. Pour les hommes, pour les femmes, bien évidemment, c'est aussi très important. Je vous souhaite un bon week-end. Likez si vous voulez soutenir ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de laisser un petit commentaire sympathique ou vos questions personnalisées. Comme ça, je peux encore répondre. J'ai encore le temps pour ça. Et à très bientôt.